Massicotte. À Lafrenière. Lob de l'autre côté. Là, il y a de l'espace pour Paris qui veut couper vers le filet. Amène la rondelle avec lui. Veut la glisser derrière Marone. Vous avez vu la touche de Alexis Lafrenière, une passe soulevée qui a battu deux joueurs des Voltigeurs, vous allez le voir. Une passe devant la ligne rouge et directement sur le bâton. Passe de Martineau, manquait un peu de précision, là, mais l'effort de Ouellet va permettre à Ratska de récupérer. Du moins un moment. Sortie du banc là. Les Fonseca s'amène. Seul avec le gardien. La fin du revers. Entre les jambières. But. Voltigeur. C1. On a complètement oublié le joueur des Voltigeurs qui sortait au même moment que l'avenue de la rondelle. Mais Charlie De Fonseca vient de rattraper sa pénalité en marquant. À sa... Harcelé à son tour par Paré. Laisse à Béliveau. Et de l'autre côté, à la première. La transversale est belle. Il est seul. Tire. But. C'est 2-1. Et ce but-là est en avantage numérique depuis l'apparition d'Alexis Lafrenière à partir du banc des pénalités. Bien, vous avez compris qu'on était à 5 contre 4. Un bon avantage numérique qui va faire du bien et c'est un bon but. Là. Belle préparation, comme tu l'as dit, d'Alexis Lafrenière. Elle était patient. Solide là, le long de la rampe, mais on joue l'échappée jusqu'à Dawson Mercer. Semaine avec le gardien, tout un arrêt de côté des listes. Dawson Mercer a visé la partie supérieure, mais le numéro 92 de l'Océanique est solide. La période estivale pour acquérir Charlebois, là, parce que à la ligne bleue, on avait besoin. Et même devant, là, tu regardes ce trio-là de Engelhard, Simoneau et De Fonseca, c'est pas tellement grand. Un tir vers le filet, but! Océanique! Ben pour le jeune, ça va faire du bien, ça. Avait connu une première fin de semaine avec un mot plus difficile. Et là, plus on le sent se dégêner dans l'alignement de l'Océanique. Et là, ben, il a démontré sa vie. Pour l'Océanique, c'est heureux. Là, c'est une descente à 3 contre 2. On s'amène vers le territoire ennemi. Zalgoroni, de l'autre côté, là, le filet, paré. Rondelle dans le demi-cercle. C'est finalement stoppé. L'attaque qui se poursuit. On est désorganisé, là, chez les vols. Charretti, partie supérieure. Océanique, Anthony Tamour touche la cible. C'est 4-1. Romain, je suis très content pour Tamour. C'est un gars qui a besoin de prendre la confiance en son jeu. Et des tirs comme celui-là, il est capable d'en prendre. On s'amène, son ennemi, encore devant le filet, là, c'est un bout portant de parer sur la préparation de Lafrenière et tout un arrêt de Maroney. Minute à faire à la période, donc, s'il n'y a pas de but, l'Océanique va presque être à 5 contre 4 jusqu'à la fin de l'engagement. Véro, passe de l'autre côté à Kelly. Un tir, du point d'appui, c'est l'ennemi! Océanique, le tir premier du confirmation, mais du moins, c'est un bel avantage numérique et c'est 5-1 pour l'Océanique. Je crois que la rondelle a touché quelque chose devant le filet. Est-ce que c'est un tir probant, le Stesat Gorovny? Possibilité d'un 2 contre 1 ici, là, avec Simoneau en charge. C'est lui qui a la rondelle. Passe de l'autre côté à Campbell. De retour à Simoneau. Habile manœuvre. But voltigeur. C'est 5-2. Encore une fois, on se fait prendre en désavantage numérique l'opposant marque. C'est arrivé à deux reprises vendredi et encore une fois aujourd'hui, il faudra trouver des solutions à tout ça. Voilà, monté à 2 contre 1. À l'empêcher de quitter le territoire, dans le coin, à Schegger, jusqu'à Pelletier, à Dion, à Pelletier, tir sur réception, but, voltigeur, boulet de canon de l'assistant capitaine, c'est 5-3. Bon travail, bon contrôle des Voltigeurs pour leur donner crédit, Robin. On a contrôlé le disque. Et avec les deux lancers qui soucient à stopper, on évoluait avec un cercle. La Fonseca passe soulevé.
du côté de Simoneau. C'est touché par Ennis vers Zadgorovny. Et Alexis Lafrenière qui détale vers la zone ennemie. Lafrenière du revers, en bombant sur la glace. Océanique, Alexis Lafrenière marque dans une cage déserte. C'est 6 à 3. Comment on le joue avec le feu chez l'Océanique de Rimouski en troisième période. On ne s'est pas brûlé. On va mettre ça dans le bagage d'expérience.